レッドリボン軍の復活は近いぞ。パパ、愛する者を守るためどこまでも強くなれ。ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー。パパ頑張れ。Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens. Aujourd'hui, rendre honneur à Gohan, tel est notre objectif. Parce que oui, pour l'instant, c'est vrai que Gohan, les Gohan en général, sont un petit peu en retrait dans Dragon Ball Legends, sauf Mirai Gohan, tu vois. Mais c'est pas les vrais Gohan comme on a connu, comme on a tous connu vraiment sur Dragon Ball Legends. T'avais forcément des Gohan qui étaient quasiment au sommet du jeu. Vous pouvez regarder, il y avait tout le temps des Gohan qui étaient juste trop pétés. Et bah ils sont pas loupés avec Mirai Gohan à noter. Mais aussi bah tout simplement parce qu'on sait que dans le prochain film, la vedette de Dragon Ball Super héros sera évidemment Gohan. Alors peut-être une nouvelle transfo de Gohan, peut-être, je sais pas, bref, peu importe, si on est pour ou qu'on est contre, le sujet n'est pas là. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'avoir un Gohan sur Dragon Ball Legends qui va tout péter. Et je m'explique, c'est assez simple même. Regardez à la sortie du film DBS Broly, regardez la gueule qu'avait Broly DBS Transfo. Je rappelle, à sa sortie, Broly DBS Transfo était le meilleur personnage du jeu. Ensuite, la sortie de Vegeta God, qui était un très très bon personnage. Enfin, c'était même après, mais voilà. On a eu évidemment le Gogeta DBS Transfo. Est-ce que je dois vous rappeler à quel point il a également fait très très mal? Enfin, c'était un des meilleurs persos du jeu également. Je ne sais même plus si c'était pas le meilleur, mais en tout cas, c'était un des meilleurs sans aucun doute possible. Donc, je peux vous assurer qu'avec la sortie du film, avec la hype du film, avec tout ce qui va entourer, on peut avoir une dinguerie absolue. Parce que franchement, suffit qu'il y ait un gros méchant badass, qu'il y ait un Gohan putain de transo avec une forme de fou. Je vous assure que ça peut partir en couille sur Dragon Ball Legends. Parce que forcément, le perso va être pété. Alors c'est vrai qu'avant, il y avait moins de persos et surtout moins de bons persos. Donc c'est compliqué d'avoir un impact sur la méta aussi fort que tu l'avais avec DBS Broly. Et surtout avec le Broly transfo. Broly transfo quand il est arrivé, mais c'était... C'était n'importe quoi. C'était ce perso là, je crois que c'est... On en parle pas beaucoup, on parle souvent de VB en power creep, mais... Des Broly DBS Transfo, tu l'avais pas dans la méta, c'était quasiment injouable. Parce que même tu disais, vas-y, joue un jaune, le perso il nullifie un type tout le temps. Donc c'était trop chaud à jouer. Je vous jure, c'était trop chaud à jouer. Donc moi j'ai eu de la chance parce que je l'avais droppé, je crois, première multi. Et Gogeta DBS Transfo, première multi à 999 pour RZ, je me souviens, je l'avais droppé deux fois dans la multi. Donc j'étais refait, il n'y avait pas besoin d'autant d'étoiles à l'époque. Donc voilà, attendez-vous à ce qu'un très gros Gohan arrive sur le jeu. Donc si vous êtes fan de Gohan, vraiment, gardez les cristaux. De toute façon, même ceux qui ont envie de drop Migaté et tout, j'ai envie de vous dire, faites attention aux cristaux parce que vraiment, suffit qu'il y ait un personnage qui lock un petit peu la jauge unique, tout ça, qui pourrait peut-être nerf Migaté, même si je vous dis Migaté est tellement fort qu'il faudra beaucoup plus que ça pour lui nerf, mais en tout cas, ça peut lui mettre une petite aiguille sous le pied, dans la voûte plantaire, tu connais. Donc voilà, maximum de pouces bleus les gars, aujourd'hui on rend honneur à Gohan. Je sais pas si ça va être très simple parce que voilà, j'ai essayé de mettre à peu près toutes les formes de Gohan. Alors il est vrai, on n'a pas le Gohan avec la cape. Le Gohan avec la cape, les gars, il est où? Gohan ultime DBZ. On n'a pas de Gohan ultime DBZ respecté, hein, me parlez pas du vert, s'il vous plaît. Donc je suis obligé de jouer le DBS transfo, même si j'estime pas que ça soit du tout le même personnage. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, les gars. Maximum de pouces bleus, maximum de soutien aujourd'hui. C'est la passion qui va régaler pour les fans de Gohan. On est là, go. Bon, pourquoi pas face à PPR, c'est le genre de team où en vrai de vrai... Tu peux peut-être t'en sortir avec une team un petit peu moins forte. Parce que son Migaté, malgré tout, il a pas non plus des immenses cap Z. Et là ça peut être d'ailleurs la game pour jouer alors en fait je vais pas jouer Mirai Gohan parce qu'en fait jouer Mirai Gohan c'est sympa, mais le problème c'est quand il va tag Migaté va le détruire et le tag va juste le one shot, donc ça va pas être drôle, autant partir là dessus je pense que c'est ce qui reste le mieux. Bon allez les gars, ça va être tendu de toute façon là, y a les persos à gérer qui sont pas faciles à gérer quoi qu'il arrive. Ok. Est-ce que je tente d'aspect avec Gohan parce que si elle passe, ça peut être sympa. Esquive. Parfait. Là, j'ai géré là-dessus. Et là, ce qui est fort, c'est d'avoir la double carte verte ici parce que là, il va revenir vraiment rapidement, Gohan. Ok, deuxième. Même s'il attaque, c'est pas très grave. Et on est dans notre game en tout cas. Ça, c'est pas mal. Ok. La transfo, c'est vrai qu'en vrai c'était un peu, ouais je sais pas. Parce que le fait de taper directement, non il va me détruire. Ah c'est pas ma verre qui détruit. Ok.
C'est inattrapable. Le mec en face est littéralement inattrapable, il y a de la TP dans tous les sens, tu peux rien faire. Ok, allez Guan. Mais non, c'est Guan qui va faire la game peut-être. Allez, vas-y mon ref. Je crois qu'il est d'ailleurs, c'est un... le Guan, je me rappelle même plus si il est Strike ou Blast d'ailleurs. Allez hop. Bon, on a évidemment pas de d'anti-revive, vous inquiétez pas. Mais on est mieux dans notre game. Mais pff, de toute façon, ça se joue pas à grand chose parce que nous on a un perso un peu squishy là avec Guan. Donc faudrait juste qu'il attaque ici. Dommage. Une statue le mec en face, c'est une statue. Par contre, il est en train de booster ma team. Là, ça va être terrible. Il est en train de booster ma team. C'est extrêmement fort, hein, ce qu'il est en train de faire. Parce que je rappelle, à chaque fois qu'il me touche, c'est un pivot. Hein, donc, des boosts de dégâts sur le personnage. Donc là, c'est Guan Ultime Bleu qui est en train de faire la game. Ça fait trop plaisir. Oui! Allez! C'est bon, j'ai compris. I understand. Ok, il va encore me toucher. Attention quand même, parce que là, il me touche encore. C'est un truc de ouf, hein, ce qu'il est en train de jouer comme pivot. Ok. Voilà. Ah oui, t'es obligé de tweak là, je confirme. Allez, on met Guan, il met une ulti ici. Voilà, et là forcément ça met trop de dégâts. Il m'a trop touché, on a fait trop mal à son Migaté. Et là on est trop bien, fallait prendre le kill hein, de toute façon. Donc allez go. Prends le kill sur Guan, qu'il est pas son main et tout derrière. Ok, on n'a pas le Migaté donc on n'a pas Clash Auto Win. Dommage, c'est pour les noobs ça, mais ça me va bien. Ah. Ça peut être fort pour lui parce que là il va aller chercher un anti-revive je pense. Il devrait aller chercher l'anti-revive, mais malgré tout, je pense qu'on est pas mal quand même. Allez. Let's go. Va chercher le RR, mon frérot. Parfait. Parfait. À voir si la game se renverse, mais je pense qu'on est quand même plutôt pas mal. On n'oublie pas qu'il m'enlève 2 dB, qu'il récupère 2 dB, donc... Oh, même pas. Et ben, vous savez quoi? On va switch ici. Si je peux ne pas lui laisser, moi, y a pas de problème. Ok. Parfait. Là, j'ai pas grand-chose à craindre, en vrai, hein. Ok, ça met encore des dégâts, hein, je vais en parler. De toute façon, parce que là, s'il m'attrape, par contre, je vais devoir switch. Hein. Mais après, en fait, ce que je veux dire, c'est que si il me tue le revive avec Goku, c'est une des meilleures choses qui puisse m'arriver. Let's go. T'es mort, ça dégage. 2,5 millions. Dommage, la verte qui passe. Et Gohan, il a fait une game, Gohan bleu. J'en reviens pas. Gohan bleu, il a fait la game. Et vous avez, j'ai rien fait, hein. Comme ça, Gohan bleu, comme ça. Le mec, il est comme ça, vraiment trop fort. Bon, alors, ne vous fiez pas au miracle Gohan jaune. Il est là juste pour donner de la vitesse de pioche à la team. Donc, on s'en fout de prendre plus ou moins un rouge ici. Ce qu'il faut, c'est prendre ça et ça. Ça, déjà, c'est les deux contre. Bah, vous savez quoi, on va partir là-dessus. On va partir sans Gohan et ses J2LF. Donc, on aura moins de pivots sur la team. Mais le problème, c'est Gogeta Ultra. Sinon, il va l'atomiser. Donc, ce n'est pas la peine. Bon, et bah, les gars, voyons voir ce que ça donnera face à. Face à cette team, la chance qu'on a, c'est qu'on a deux revives. Et ça, évidemment, ça lui fait pas plaisir, je pense, au mec en face. Ok. Il va vouloir tout donner avec Miragwan, je pense. Et il le switchera pas tant qu'il sera pas mort. Il joue très bien. Okay. Mais allô? Mais ça s'esquive, ça. Mais c'est qu'avec le mec, je pense, j'avais pas la tempo. Bon, est-ce qu'il va switch maintenant ou il va laisser Miragwan mourir? Je pense qu'il va le laisser mourir. Je pense qu'il va le laisser mourir. Alors, est-ce que j'ai le kill déjà en vrai hein? Vous savez que je crois que j'ai même pas le kill, ça c'est le pire. Ok, d'accord, super. Ok, on va vert ici. Vu que ça touche, on gagne du ki et ça y est. Bon, le problème c'est que là maintenant. Je crois qu'on lui. Je me demande si on lui lock pas les strikes en vrai. Je me rappelle plus. Je crois que si. Regardez, je vais lock les strikes les gars. Oh, c'est trop fort. Je vais lock les strikes et ça sauve mon mien. Oh, ça sauve mon Gohan ultime. Let's go! Ok. Allez, on continue, on fait des switches là. Gohan, il a encore son main donc j'ai pas envie. Ok. Incroyable. Incroyable ça! Parce que là, on va lui mettre une tarte. Hein. Ok. Ça peut nous permettre d'aller chercher le R, donc là je pense qu'il va mettre Gogeta, je pense pas qu'il... Je sais pas s'il l'a récupéré. Ouais, il l'a récupéré. Il l'a récupéré, donc là il prend une belle tarte, il lock des strikes encore je crois. Et t'en attends d'augmenter. Oh c'est incroyable. Oh c'est un crush perfect, mais je m'en fous parce que là j'ai trop peur de cette team, genre vraiment.
Ça, c'était prévisible et c'est plutôt bien joué. Maintenant, je rappelle, la seule anti survie au chaos qu'on a, c'est avec les spé de Gohan Revive, donc va falloir gérer là-dessus. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que je mette Gohan Revive main. Après, s'il m'attrape, c'est mieux que je le fasse esquiver, mais bah, c'est pas grave. Franchement, juste déjà, je main pour la team, ça sera déjà une bonne chose. Voilà. Gardez la verre d'ailleurs. Ok, bon, il prend mon rivage, j'avais dit le monsieur que je le fasse esquiver, je le voyais pas lâcher une spé à mi-distance parce que c'était extrêmement risqué en fait, tout simplement, mais bon, pourquoi pas. Au pire, il m'aurait RR, mais dans mon revive et tout, franchement, je le voyais pas bien. Ok. Ça l'oblige à prendre des risques, ça, j'aime bien. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est le retournement de game, là, tu le vois venir ou pas? Contre. Non, j'ai cru un petit peu là. Ok, bah là, va falloir gérer Nigator en V3, le gars, ça va vraiment pas être simple, hein, quoi qu'il arrive, mais... On va voir, on a un bleu, hein, donc en principe, ça peut le faire quand même. Hein. Alors, soit il passe à travers avec l'ulti, soit voilà, il génère la jauge, qui va nous booster, hein, je rappelle. Et il fait tout le temps la même erreur. Par contre, il fait vraiment là, tout le temps la même erreur en face, c'est terrible. Et ben j'espère qu'on prend le... au moins la barre... Ouais, on la prend largement la barre de vie. Même plus que ça. Hein. On va même se rapprocher de plus que ça, là, oui. Ok, si on gère pas l'aspect, on l'a déjà eu. Et le double pas de côté qui est puni ici. Et on s'en sort très bien. En vrai, on a géré la game de bout en bout. Je trouve que... On n'a jamais été trop dans la sauce là, mis à part là l'aspect plus derrière le RR, mais en vrai il a utilisé SP plus RR, c'était juste son ulti. En fait, fallait pas que je me fasse surtout Rising Rush mon Gohan bleu. Après, à partir de là, j'étais plutôt bien, le fait crash en RR dans tous les cas, c'était pas une mauvaise chose parce que Gohan, je sais qu'il pouvait tanker à peu près son ulti, mais pour l'instant c'est Gohan ultime bleu qui fait les games, hein, vraiment. Waouh, mais je suis en quelle année là? Je suis en quelle année? Une divin sans le tag? Sans rien en leader de spécifique, ça fait grave bizarre, même pas avec le Migaté et tout. Donc ça fait très bizarre, évidemment. Là, je ne peux pas, c'est pas une bonne idée de jouer notre cher ami Gohan. Par contre, là, un truc qui peut être sympa, c'est de jouer peut-être Miragohan. Jouer peut-être Miragohan peut être extrêmement sympathique. Il y a moyen qu'il parte en double vert, donc bah go. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette team? Qu'est-ce que c'est que cette team là? Je rêve. Ok, il m'attrape. Regardez, en fait, regarde Miragohan. Miragohan, ça va être une chips, mais ça va être n'importe quoi. Miragohan, ça lui, hein. C'est bon, je switch. Je suis obligé de mettre Gohan, il tankera mieux, limite, c'est indécent. Attention à la carte verte, mais je pense pas. Ça me paraît même impossible qu'il ait une carte verte en vérité. Ah. Bah, c'est ce qu'on appelle retourner une game. C'est ce qu'on appelle, ouais, retourner une game, là, c'est... Ok, dommage, en fait, j'ai pas eu de strike qui est arrivé sur ma verte, ça m'a... J'aurais bien aimé, ça m'aurait permis de l'attraper. Ok... Il va me tomber ma barre de vie, ce bâtard. Ah oui, il va me la tomber. Ok, bon, là, on met Gohan. On rappelle qu'ici, sur le main, il va chercher une carte verte, je crois, donc attention, notamment... Faudrait pas se faire rattraper Gohan Revive, mais avec Gogeta Blue. Mais je pense que... Oh putain, c'est terrible. Ça par contre, c'est terrible. Après... Ouais, c'est quand même un peu terrible. Je pense pas que ça change des masses, la game de... Oh oh. Bah, je sais pas. Je pense pas. Je sais pas ce qui va se passer, donc de toute façon, on le met. Hein, c'est une grosse source de dégâts ici. Voilà. Parfait. On se paie, ça passe pas, dommage, on avait tempo deux fois. Miragohan, une carte, Miragohan, oh. Putain, on est en train d'envoyer le max de sauce, il peut pas avert ici, il peut pas avert. Ça tue pas, putain. Ulti ici, là je pense qu'on le prend, je pense qu'on devrait prendre sa barre de revive. Mais on voyait, là la team les gars, c'est de quelle époque là, Oh non, tu trolls. Non par contre, à 4000 HP, genre tu trolls. Genre vraiment là c'est du giga troll, c'est... Là c'est de l'abus par contre, c'est de l'abus. Tout cas regarde les points de vue aussi de son Gogeta quoi. Il va verti. Oh. Qu'est-ce qu'il a fait?
Ah ouais, mais là, Gohan a un PV qui est en train de te ruiner ta team. Malheureusement, là, il a pas très bien joué à la fin. Il aurait vraiment dû au moins carte verte sur l'esquive. Malheureusement, il l'a pas fait, tout qu'il l'avait généré avec le main. Mais bon, on avait laissé son Gogeta après le tap attaque à 20 000 HP, je crois. Et là, à 4 000 HP, ça faisait un peu beaucoup. Mais là, ça va, la game était pas avec une team folle. Mais imaginez, vous rencontrez genre Migate et tout. Il se passe la même chose que ça face à des ultras. Derrière, en général, tu perds la game parce que c'est des tout petits dégâts, mais qui jouent énormément. Par contre, si je croise deux Goku Blue Revive à la suite, bah ça va être ça. C'est quand même assez exceptionnel de réussir à faire cet exploit-là. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais et bah la question, c'est que je crois que je vais devoir partir comme ça. C'est ce qui me paraît être potentiellement le mieux. Et ce qui peut-être... faut faire gaffe à Vegeta, en fait. Vegeta, il est 14 étoiles, donc chaud. Hein. Allez. Ne lâchons rien, ne lâchons rien. Et ouais, là, j'ai abusé, déjà. Ok, on prend les dégâts, je rappelle, on va booster Gohan derrière. Il continue de taper, je me demande s'il a... En vrai, il a raison. Le pire, ça, c'est qu'il a raison. Je vais de Gohan ici, il risque rien. Je sais pas pourquoi il a switch, en vrai, parce que franchement, il risquait vraiment rien. On va essayer de le... Ça serait bien qu'il fasse une attaque ici, ça serait stylé. Non. Ok, je crois qu'il n'y a pas de côté qui part en face, ouais. Ça va faire mal, ça va pas tuer, mais ça va faire mal. En plus, on a double carte verte, voilà, ça fait très mal même. On va pas se mentir. Il cherche qu'un truc, hein. Il cherche l'open safe, hein, les gars. Voilà, on l'a vu depuis tout à l'heure. Peut-être une deuxième même. Parce qu'il a... Je rappelle, il peut générer des cas. Ah Et là les gars on switch hein, ok. Voilà. Là c'était obligé, là il faut switch à ce moment là. Parce que voilà je l'ai senti venir mais oh. Comme le nez au milieu de la figure comme on dit. Ok. Par contre il me perfecte un nombre de fois. Ça reste correct hein. Bon bah là il y a un mort de hein, toute façon je peux pas faire autrement. Ok non. Stylé. On fait le pas de côté ici non. Ok on est touché encore. Let's go. Ça ça fait plaisir et ça ça régale. On va le break ici avec Gohan. Ok. Peut-être le truc, c'est que je peux pas. Je vais mettre la pression, il faut. Voilà, let's go. Parfait, fallait au moins que j'enlève le revive. Là, on est en train de bien jouer, c'est une belle game. Mais je suis en train de bien jouer, je suis content de moi. Pour l'instant, on fait vraiment quelque chose de sympa. Mais. Ok, allez, faut gagner Clash là. Oui. Parce que je crois qu'on a le kill, hein. Je pense qu'on a le kill, je pense qu'on a le kill, Migate est pas là. Migate est pas là, Migate il est là, putain. Trop fort Migate, c'est incroyable. Tout le temps là ce perso. One tap. Ok. Carte verte. Moira qui passe pas, Moira qui sort pas là-dessus. Putain c'est dommage. Moira qui sort pas là-dessus, ça fait mal. Moira qui tape pas, putain ça fait très très mal hein. Une bonne game mais voilà. Et là je pense qu'il peut mettre le revive. Ah c'est terrible ce qui se passe. Les timings sont complètement pour lui. Les timings sont pour lui. L'aspect je pensais qu'elle pouvait tuer mais en fait j'aurais peut-être dû RR. Mais en fait ça revient au même hein, parce que j'ai spé son Migate donc au moins je lui ai enlevé des dégâts. Mais ça va pas être facile là hein. Ça va quand même pas être facile. J'ai utilisé beaucoup de ressources mais je pense que je suis un peu. Putain l'anti-soin par contre qui l'a bien embêté là. Ok. Ouais, Gohan Revive peut faire la game en vrai aussi. Hein. A noter que Gohan Revive peut carrément faire la game. On va voir. Bah, bien joué. Je voyais pas faire ce magnifique move. On va pas se mentir, je la voyais pas faire ce beau move malheureusement pour nous. Et derrière, bah, c'est. Je pense la fin de la game. GG à lui. Déjà lui, je le voyais reculer fond de map et il s'est avancé à une vitesse incroyable, genre vraiment, donc
On va break ici, j'ai pas le choix. Ouais. Mais j'ai pas le choix, les gars. Si je veux tuer, il faut que je break. Et malheureusement, c'est un très bon joueur qui ne se fait pas avoir. Et vous voyez ici. Hein. Bah, les dégâts. Ouais. Je suis obligé de tenter, j'ai que des strikes en main. Donc, bon, bah. Perso est en blast, ça reste extrêmement compliqué. Derrière, il a une survie au KO, je peux pas. Je peux juste pas, j'ai pas. En fait, j'ai pas de génération de cartes, J'ai rien en fait. Mais il a encore découvert lui, il m'en a fait au moins 50 dans la game, j'ai l'impression. Il a une fuée. Pas facile à avoir venir, pas facile à avoir venir cette histoire. Bon, bah on perd la game ici, franchement, je fais une putain de game, mais. Déjà de 1, la team est meilleure en face, et de 2, les timings sont pour lui. Les timings sont pour lui parce que l'aspect que je mets sur son Goku, je pensais qu'elle était là, mais je pense que ça joue à une seconde que son Migaté soit là ou quasiment. Et derrière son Vegeta qui m'attrape une fois et c'est mort, donc j'ai pas autant de cartes que lui, c'est pas possible. I don't